Salut! Mini vidéo sur une question d'un abonné. Bon, c'est quoi encore cette histoire de train en lévitation? Non, parce qu'on connaît le maglev, on connaît l'hyperloop, mais là on nous parle de trains pratiquement comme les trains actuels, mais qui par une petite bidouille peuvent léviter au-dessus des rails. Et vu que j'ai lu sa question en même temps que je regardais une pub pendant une vidéo, voilà en vrac ce que j'ai retenu. Cette vidéo est sponsorisée par CyberGhost. Avec le train CyberGhost, vous pouvez voyager en lévitation. Votre connexion ne touche plus le rail et sans frottement, plus de risque d'accident. Ils appellent ça se faire hacker. De même, ce VPN, c'est sans doute le type de train, permet tout plein d'aiguillages et avec ça, on peut aller dans plein de destinations pas possibles normalement depuis la France. Netflix US ou Disney+, par exemple, qui sont bien plus vastes que chez nous. Ils ont 9700 gares dans le monde. Sacré réseau. Le nom des gares, c'est Serveur CyberGhost, Serveur CyberGhost, Serveur CyberGhost. Donc pour jouer à cache-cache, c'est top. Le prix des billets n'est vraiment pas cher. 2,03€ par mois. Et on peut voyager à 7 en même temps, avec le lien dispo en description. Bon ok, je vais arrêter de faire deux trucs en même temps, car ce n'est pas super clair. Revenons au sujet. Alors c'est quoi l'intérêt de ne plus toucher le rail? Y a quoi qui ne va pas dans le contact roue-rail? On nous dit que ce serait un frein à la vitesse et un gouffre de consommation. Ouais, si la roue est en caoutchouc et le rail en bitume, c'est en effet le cas. Sauf qu'un train, c'est une roue acier sur un rail acier, et c'est justement sa force. Il a été créé ainsi pour offrir le minimum de résistance à l'avancement par frottement. C'est d'ailleurs aussi pour ça que parfois il patine, et qu'il lui faut de si longues distances pour s'arrêter. Alors ça part mal sur les gains du train qui lévite, car les pertes liées au contact roue-rail sont de l'ordre de quelques pourcents de l'énergie admise. On est loin du gouffre. Bon, on nous dit aussi que léviter, ça permet des vitesses élevées. Sous-entendu, plus qu'en train. Rendez-vous compte, on nous parle de 550 km/h. Pas loin des 574,8 du train, quoi. 574,8 km/h. Car oui, on vous parle de vitesse maxi, pas de vitesse commerciale. On attendra de voir ce que ça donne réellement en vitesse commerciale. On nous parle de transport de fret, qui avec ça serait d'un coup merveilleux. Alors, vous voyez l'état du ferroviaire voyageur américain? Non? Bah, c'est la Roumanie des années 80. Et notre transport ferroviaire fret en France, c'est ça. Alors, avant de trouver les investissements, bon courage. Ah, et puis le maglev, il s'accommode très mal des fortes charges. Et le fret, c'est... très lourd. Du lourd du sale! C'est le principe. Donc, messagerie tout au mieux, mais pas fret. Damned, encore un argument qui tombe à l'eau. Bon, donc, si on ne gagne ni sur l'énergie, en fait, on risque bien d'en perdre même, mais j'y reviendrai plus loin, ni sur la vitesse, c'est quoi l'intérêt? Moi, je vois celui du bruit. C'est con, ils n'en parlent même pas dans leur com. Car si je supprime le contact, je supprime une part du bruit d'un train. Mais alors comment ils font léviter un train? Eh bien, ils font du maglev. Des aimants, des moteurs linéaires, et voilà, le mobile ne touche plus son support et avance. Et pourquoi on ne fait pas ça partout si c'est si bien le maglev? Deux raisons essentielles. Ça demande un réseau dédié, donc repartir de zéro, et ça bouffe énormément d'énergie. Et là, on revient sur l'idée du gain énergétique. Le train est génétiquement peu gourmand, puisque c'est la raison même de sa création. Mais alimenter des aimants tout le long des voies, ce n'est plus du tout la même chose. Ça demande beaucoup d'énergie. Et en cela, le maglev est un gouffre. Et voilà l'argument massu de la lévitation sauce polonaise. C'est la nationalité de l'entreprise qui propose le truc. Un rétrofit des voies et des trains actuels, pour en faire des maglevs, avec réseau et trains existants. Et quand on gratouille un peu, on se rend compte que cette légère bidouille est tout sauf légère. Il faut rajouter des stators tout le long de la voie parcourue. Le stator, c'est une grosse bobine de fil linéaire. Outre le fait que le milieu des voies est déjà occupé par plein d'autres trucs, balises KVB, balises ERTMS, crocs des signaux, on parle ici de dizaines de kilomètres de fil de cuivre par mètre, autant dire une blinde. Mais ce n'est pas tout. Les trains, ils sont incapables de se mouvoir en l'état sur un stator de maglev, donc il faut les transformer en maglev, c'est-à-dire revoir complètement leur motorisation et alimentation, tout en gardant l'existant. Autant dire que c'est tout sauf une petite bidouille. Pour les voitures ou wagons, moins de travaux, mais tout de même, ils devront eux aussi être capables de léviter, donc pour ça, recevoir de lourdes modifs.
Mais alors, oui, où sont les gains? Je dois forcer pour trouver, après avoir balayé ceux avancés. Alors on va parler des accélérations qui seront plus fortes, pas de patinage, le freinage lui aussi plus puissant, l'acoustique, comme je disais, qui va y gagner, l'usure réduite, puisque pas de contact, encore qu'il faudra bien entretenir toute cette technologie, le confort amélioré, pas de contact, donc pas de vibration, voilà, c'est à peu près tout. Alors, est-ce que c'est révolutionnaire? Non, car les gains me semblent beaucoup trop limités en regard des modifications nécessaires. Est-ce que ce sera rentable? Je ne pense pas, là aussi en regard des investissements nécessaires. Est-ce que ça verra le jour réellement? Car là, on a juste un essai bien loin d'une réalité commerciale. Bah, peut-être, mais pas demain. Sans doute en prototype, et peut-être même qu'un opérateur achètera le concept pour une ligne, histoire de briller médiatiquement. Mais ce n'est pas pour ça que ce sera généralisé une fois la hype passée. Encore une fois, le progrès c'est bien, mais il faudrait avoir autre chose à y gagner que des paillettes. On veut nous vendre du rêve, sans autre argument que « c'est génial ». Bah désolé, mais ça peut marcher avec BFM ou un autre média grand public qui n'y connaît pas grand chose, mais pas plus. La SNCF a signé un accord avec l'entreprise polonaise, et tout le monde y a vu un engagement, un soutien, presque un adoubement en mode « j'achète ». Erreur. C'est un accord visant à évaluer la faisabilité technique et économique. C'est-à-dire, on va regarder si c'est faisable et si ça vaut le coup. Pas plus. Ah, un dernier point. L'entreprise qui propose ça vendait il y a 6 ans l'Hyperloop polonais, enterré depuis comme tous les autres. De là à penser qu'il nous ressorte un Hyperloop sans tube, histoire de continuer à croquer des financements, il n'y a qu'un pas. Entre Hyperloop, RER partout et Passerail, je pleure ces annonces ronflantes alors qu'on a un réseau hors d'âge, pas assez de trains pour tous et pas le bout d'un morceau d'un euro pour payer. Alors maintenant, on rêve de lévitation des wagons. Bah à un moment, il va falloir montrer l'exemple, arrêter la consommation de produits stupéfiants et revenir sur Terre. Alors oui, la réalité est beaucoup moins plaisante, mais à un moment, à force de la nier, on se la prend en pleine tête. Notre chemin de fer est au bord de la rupture, à force de trop tirer sur la corde, mais on veut rêver. Alors qu'est-ce que j'en pense? Je vais attendre une offre meilleure. Ah au fait, on apprend à l'instant que le financement des 13 RER en France est décidé par le grand chef, 700 millions d'euros. Nous engageons dès aujourd'hui 700 millions d'euros de l'État pour accompagner les projets. Soit de quoi faire un RER. Et si vous pensez que ça n'a pas de rapport avec cette vidéo, cherchez un peu, vous devriez trouver. Allez, à bientôt sur Terre, et tchou tchou.